comme je l'ai dit dans le discours, le village avait un foyer construit en banco. Et depuis 1997, date à laquelle la crise s'est accentuée dans le département, il y avait un campement militaire qui avait occupé le foyer. Depuis lors, les gens ne savaient pas où se divertir. Des fois même, ils allaient danser dans les salles de classe. Des fois même, ils ont des problèmes avec le directeur. Depuis très longtemps, ils avaient même cherché, avec leurs propres moyens, de la sauver, mais en vain, jusqu'au moment où le conseil départemental vient au secours. Voilà pourquoi tout le village était vraiment satisfait de l'action du conseil. J'avais dit dans le discours que ce foyer aussi contribuerait à l'avènement de la paix, parce que dans le temps, si vous voyez comment les jeunes regardaient les soldats, ils n'avaient pas compris. Pour eux, c'est des gens qui ne les aiment pas. Pourquoi ils ont occupé le foyer? Ils ne savaient pas là où danser. Des fois, même quand ils dansaient ici au niveau de l'école, des fois, la manière dont ils se dépassaient avec les militaires, bon, ils avaient une haine contre eux. Pourtant, les militaires étaient venus pour assurer la paix. Aujourd'hui, le foyer est là. Je crois qu'ils n'auront plus de problème de divertissement. Ce sera un foyer multifonctionnel. Multifonctionnel, comme je le souhaitais. Que ça soit un foyer, je veux dire, parce que nous-mêmes, ce que nous voulions, c'était un complexe culturel. Mais le foyer aussi, on peut le transformer en un centre de formation où les jeunes élèves, ou bien les jeunes garçons et filles, et les femmes aussi, pouvons être formés pour s'adonner aux activités de l'élevage, de l'agriculture et même de transformation de produits locaux. Village dans de la zone à être délaissé. Connexion électrique et téléphone. Je l'ai même signalé dans le discours. C'est l'un des rares villages. Je ne connais pas tout le Sénégal, mais si je prends la région de Ziguinchor, c'est l'un des rares villages. Si nous avons pu ne pas dire le seul village à ne pas être électrifié, pourtant c'est un village qui est traversé par la haute tension. À l'époque même, on était même parti jusqu'à une cotisation du village pour acheter un transformateur. Mais malheureusement, cela n'a pas abouti. Vraiment, comme j'ai dit, dans le village, l'éclairage se fait par des lampes à pétrole ou bien des bougies. Or, il y a beaucoup d'élèves ici. Il y a le collège et l'élémentaire. Cela influe négativement sur les résultats scolaires. J'avais même dit que, et même pour la communication, le réseau est très instable. Ça coûte des désagréments au niveau des populations. L'Internet n'est pas d'actualité. On ne peut pas parler d'Internet ici. Qu'est-ce que vous empêche de faire appel à la porte internationale de Pengiata à l'image de Sadio Mané Bambaré? Voilà, Crépin Gata vient de commencer. Après la CAN, il était venu. Je salue vraiment le fait qu'il soit là. Il était venu. Bon, ses parents l'ont béni. Et je crois que lui, il a joué dans l'équipe cadette seulement. Parce qu'il n'a pas joué dans l'équipe senior. Il a joué dans l'équipe cadette. Il a même gagné deux coupes départementales ici, avant d'aller à Dakar puis en Norvège. Je sais que, je ne sais pas ce qu'il a dans sa main, je sais qu'il a un regard sur les infrastructures sportives. Parce que, comme je l'ai dit dans le discours, les jeunes aussi n'ont pas de terrain de football, au moment où nous parlons. Ils jouent seulement au niveau, dans le terrain de l'école élémentaire.